Le Premier ministre qui, quand ce gouvernement, il prend de l'engagement au niveau des Sustainable Development Goals. Il y a 17 goals, ça. Les premiers goals, ils causent leur end poverty. C'est-à-dire qu'ils prennent l'engagement pour éliminer la pauvreté. Quand nous connaissons pour éliminer la pauvreté, vous êtes trois questions importantes. C'est que vous avez une case décente, vous avez un travail décent et vous êtes capable de mettre l'aise dans vos écoles. Donc, pour faire ça, vous êtes capable de gagner, vivre dans la dignité. Dans le secteur de la zone France aussi, ma femme qui travaille 45 heures plus 18 heures ouvertes obligatoires. Donc, après, quand la société n'a plus d'un problème, et c'est pour mettre aux femmes qui ne vont pas faire aucun plus d'enfants. Donc, vous êtes réglant ça. Avec une méthode courante, c'est pour mettre en base aux enfants handicapés. Il y a une fois pour toutes, vous êtes arrêté la discrimination avec les enfants handicapés. Les enfants normaux qui gagnent tout facile dans l'école, tandis que les enfants handicapés, je suis dans mon ONG, qui dans l'ONG, beaucoup là-dedans, pas de YouTube, qui prend l'argent, pas de l'école d'aller, mais ce n'est pas enlevé à les enfants handicapés, là, parce que mal payé par le professeur. Il y a beaucoup de propagande, il a une retraite pour 67 ans, ou bon, par exemple, qu'il a, je peux proposer, pour nous maintenir, il est bien 60 ans, il est bien optionnel, et au contraire, dans le secteur comme la construction et l'agriculture, il a retraité à 55 ans, ça va dire là, je viens gagner ce pension vieillesse à l'âge de 55 ans. En 2015, il vaut 100 millions de roupies pour changer 23 tiers de l'amiante dans l'hôpital Cordos. Jusqu'à aujourd'hui, une seule la salle est changée, l'eau 7. Que ça 100 millions de roupies là, il y a une année. Et deuxièmement, quand on travaille à l'hôpital, les autres fonds manquent Work History, mais aucun docteur n'a pas dit manger que je travaille et qui je t'expose. Et je trouve ça drôle. Le nombre de cancers, de problèmes cardiaques qui augmentent. La population n'a pas fait d'accord avec le système pension parlementaire que Pédone Golden and Shake. Et le cas dernier de la présidente, il me choque tout le monde, que tout le monde fait y aller, mais quand y aller, y aller 244 000. Et nous, pour nous, il est clair que le gouvernement peut dealer cet élément-là, surtout avec le financement parti politique, soit là, que la loi n'a pas pu venir. Et nous faisons clair. Nous disons le Premier ministre, ou bien à nous en l'évidence, que l'épine dorsale corruption dans le pays-là, c'est le financement parti politique. Important, regret le rôle de Human Rights Commission. Parce que le Human Rights Commission, il n'a pas le pouvoir pour capable enquêter l'obat violation des droits de l'homme dans le privé. Et il est capable d'enquêter seulement dans le public. Et nous disons, bien revoir. Et ce rôle, vous êtes capable d'enquêter, c'est-à-dire redonner le pouvoir enquêter dans le public aussi, que vous êtes capable de dire dans le public aujourd'hui, on est dans le privé, pardon, il y a beaucoup de violations et droits de l'homme. Vous avez vite petit Dino Cadeau. Ça, monsieur, là, c'est annoncé par la Tina Radio, quand il se présente BITZ, 2015-2016. En fait, c'est dire que 6 000 kits du lot, parce que du lot, il y a un droit, il y a un human rights, dans le cadre de tout du monde. Mais quand on a implémenté, pas qu'on a implémenté ça, et le 21 qui aura mis comme taxe, pas capable d'aliéner la classe moyenne, et tout du monde pas capable de payer 15% uniforme, c'est qu'il y a 3 bennes, 5%, 10% et 15%. Et nous voulons aussi dire qu'il y a une politique discriminatoire envers mon camarade présent Lille Rodrigue, parce que prix commodité la Rodrigue et puis c'est Guida Maurice, et nous dire qu'il faisait un Power State Trading Corporation, de façon que tout le monde produit dans Rodrigue, Maurice et Akadega, et même bien. Et même l'oubli de la part du gouvernement qui va une famille, va une couple, qui a gagné plus d'enfants. Donc dans ce contexte-là, nous proposons, et premièrement, qui paye soutenir une famille financièrement, et d'autres, vous êtes capable financièrement, vous êtes capable de plus enfants. Et deuxièmement, nous extendons maternité libre et nous mettons ça 20 semaines au lieu de 14 semaines. C'est aussi un gros problème que le gouvernement peut soulever, mais dire que nous, système pension, pas capable de soutenir jusqu'à l'année 2050. Nous sommes capables qu'il y ait un président de la République ou soit un vice-président, il fait un mandat
mandat là, il est 5 ans, normalement, il est une fois, je n'ai pas foutu complet de mandat. Bah, il fait qu'arriver là. Mais quand il sortit, il sur full pension qui gagne. C'est une grosse pension. Et comme on prend tout bon ancien président, vice-président qui est là, pour l'année, ça coûte pays pour milliards de roupies. Alors nous disons le gouvernement, il faut revoir ce système pension-là. Il faut couper les autres pensions là-bas, prendre sa casse-là, augmenter la pension de vieillesse et capable d'investir sa casse-là, de consolider le fund pour capable soutenir la pension que le gouvernement ne veut pas pouvoir soutenir. Étudiant full-time, il gagne allowance, il gagne une taxe rebate, ses parents gagnent une taxe rebate, tandis qu'il y a un étudiant part-time, il paye plus que 100 000 roupies, mais il n'a pas gagné aucun allowance. Donc nous demandons qu'il aligne le part-time ensemble avec le full-time. Le côté transport, donc le côté gouvernement peut continuer une politique de transport, d'accord, oui. Mais seulement, est-ce qu'il transport là, c'est qu'il nous appelle old age friendly. Est-ce qu'il est handicap friendly, ben, du monde handicapé, est-ce qu'ils ont à voir après? Quoi qu'il nous mette low flow bus, vous connaissez aussi un du monde handicapé et bien avec son wheelchair, soit son motorage wheelchair, et en place pour lui rentrer dans le bus. Donc nous voulons dire, c'est une place dans le bus.